On se retrouve donc maintenant avec Dominique Coussy. Alors, Monsieur Coussy a un parcours professionnel, encore une fois, un petit peu original, puisque vous êtes apiculteur, récolteur, et également rémouleur. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours? Comment est-ce que vous en êtes venu à avoir ces deux qualifications? Ben, ce qu'il y a, c'est que en Charente, comme j'étais apiculteur récoltant, sur les forêts marchées, il y avait beaucoup d'apiculteurs. Donc, ils ne voulaient pas me prendre, puisque bon, ils ne voulaient pas me mettre en concurrence avec d'autres. D'accord. Et comme j'avais appris avec un ancien coutelier le métier de coutellerie, et je me suis spécialisé dans l'affûtage, donc je me suis inscrit à la Chambre des métiers, mais en tant qu'apiculteur récoltant et rémouleur. Alors, ce qui est intéressant et assez original, c'est que sur le salon, vous avez votre camion, qui est un camion atelier. Voilà, qui était aménagé pour faire l'affûtage. Et donc, du coup, ce couteau que vous nous présentez, vous l'avez créé l'an dernier, c'est voilà. Votre premier couteau. Le premier couteau. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ce qu'il y a, c'est que cette année-là, quand j'en avais présenté un sur le salon, que j'ai montré avant de pouvoir le déposer pour le concours. D'accord. Malheureusement, celui-ci m'a été volé. D'accord. Donc la personne vraiment très malhonnête, parce que je l'avais fini pour le salon. D'accord. Donc il a fallu, en l'espace de 2h30, reconcevoir le couteau, le remonter de A à Z. Mais il a été quand même présenté. D'accord. Pour le concours. Vous avez quand même énormément de mérite, du coup, d'avoir... Voilà. D'accord. Et d'autres couteaux sont en préparation? Pas pour l'instant. Pas peut-être après, je vais déjà concrétiser celui-là. D'accord. Peut-être que par la suite, on verra. Ouais. L'avenir d'accord. me le dira. Très bien, merci.